La nomination de Natasha Polony à la tête de la rédaction de Marianne a déjà fait une victime. Le directeur de la publication, Yves de Chaise-Martin, a annoncé lundi en interne son intention de démissionner dans les jours à venir. Il était opposé à l'arrivée de la journaliste. L'information nous a été confirmée par plusieurs sources. L'intéressé a en revanche refusé de s'exprimer. Natasha Polony a été choisie par le nouveau propriétaire du journal, le milliardaire tchèque Daniel Křetínský, qui a racheté Marianne au printemps. L'accord prévoyait que Chaise-Martin, qui possédait l'hebdomadaire depuis 2006, garde les fonctions de président directeur général et directeur de la publication pour travailler aux côtés de l'homme d'affaires. Ce dernier, qui a fait fortune dans l'énergie en Europe centrale, a également repris plusieurs magazines du groupe Lagardère dont Télé-Télé 7 jours. Chaise-Martin nous a dit qu'il allait quitter le journal mais continuer à travailler avec les Tchèques comme conseil, raconte un journaliste de Marianne. Du moins, c'est ce qu'il nous a dit. C'est très flou, tout ça. Il ne voulait pas de Polony, il a été désavoué, il en tire les conséquences. Plusieurs journalistes, moyennement enchantés par l'identité de leur nouvelle patronne, seraient également sur le départ.